Salut à tous, moi c'est Cindy, je suis salariée chez Lidl France et je suis votre nouvelle égérie sport. Mais attention, je ne suis pas une professionnelle, mais simplement une passionnée. Donc n'hésitez pas à consulter un médecin avant toute pratique sportive. Aujourd'hui, on va découvrir des exercices simples à faire chez soi avec des objets du quotidien. Bouteille d'eau, chaise, manche à balai et marche d'escalier vont devenir vos meilleurs alliés. Et n'oubliez pas, avant de commencer chaque séance, petit échauffement obligatoire. Donc le cou, de droite à gauche, monter et baisser. Chauffer les poignets. Les bras. Les épaules. Donc on enroule bien vers l'arrière. Et on peut faire le mouvement dans le sens inverse. Le bassin, pareil, de rotation. Et on peut terminer par les chevilles. Et voilà! Premier exercice, prendre des bouteilles d'eau comme halter. Donc les bras le long du corps, je serre mes coudes sur les hanches et je remonte. On n'oublie pas de souffler. Donc on inspire à la descente et on souffle quand on remonte. Pensez à alterner. Faites cet exercice pendant 40 secondes, faites 3 séries et pensez à votre repos. Deuxième astuce, faire du sport avec un simple manche à balai. Tout d'abord, vous pouvez faire des squats avec votre manche à balai. Les pieds dans l'alignement des hanches, le manche à balai derrière la nuque pour maintenir votre dos droit. Surtout, pensez bien à garder votre dos bien droit et à regarder droit devant vous. Vous pouvez faire 3 séries de 10 squats et surtout à votre rythme. Autre exercice à faire avec un manche à balai, les fentes arrière. Donc je descends ma jambe en arrière, je reste bien perpendiculaire au sol et mon genou ne touche pas le sol. Pensez à bien garder votre dos droit. Je remonte, je change de jambe. Vous pouvez faire 3 séries de 20 fentes, n'oubliez pas le repos. Et maintenant, je vous propose un exercice à faire avec un simple banc ou une simple chaise. Donc les fesses au bord du bord de la chaise, les mains collées aux hanches, et on descend. On inspire en descendant, on souffle en remontant. Vous pouvez faire 3 séries de 15 descentes et pour augmenter la difficulté, pensez à tendre vos jambes. Et là, on commence à sentir les triceps qui chauffent. Et voilà! Dernier exercice à faire chez soi avec un banc ou un escalier, les steps. Donc, ça va vous faire travailler les muscles des cuisses et des fessiers. Vous pouvez faire pour cet exercice 3 séries de 15 répétitions. Vous pouvez aussi accélérer pour augmenter la difficulté. Et voilà, la séance est terminée. Je suis très fière de vous, mais surtout n'oubliez pas que vous soyez plutôt lièvre ou plutôt tortue, n'hésitez pas à adapter les exercices selon votre niveau.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager vos ressentis sur notre chaîne YouTube Lidl France. À très vite !